Oh, c'était Boobies qui fait. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Barbachauf. Bonjour Barbachauf. Bonjour. Regardez cette jambe de bois. Regardez cette jambe de bois. Regardez-moi cette jambe de bois, putain. Oh, cette jambe de bois. Hello. Salut hop. Boobies. Il est où mon Boobies? Il est où le capitaine Boobies? Il est où le capitaine Boobies? Boobies. Si tu changes pas là. Si tu changes pas, t'as pas vu. Il t'a pas vu. Non, il t'a pas vu. Il m'a pas vu ça. Non, regarde. Je l'entoure l'épaule. Regarde ça, gars. Y'a rien à voir. Attends, je vais faire ça comme ça. Hop. Tac. C'est bon. Il sait pas où on est. Et voilà. Alors il s'est endormi. Il s'est endormi. Ah. Je vais changer de fanion. Je reviens. Bise, je mets un fanion pour toi, Bobby. Attends. On peut faire l'amour. Regarde. On peut faire un petit ASMR. Regarde, viens. J'arrive. Regarde, je tiens dans mes bras. C'est un petit ASMR de Sea of Thieves. C'est moi qui fais l'homme. Regarde, c'est moi qui fais l'homme. Juste pour la communauté, comme d'habitude, Gaming. Regardez-moi cette grosse jambe de bois qui va nous arriver dedans. Vous êtes des malades. Non, pas ça. Pas comme ça, arrête. Pas comme ça. Oh putain. Vous. Ça y est. Vous méritez la sentence ultime. La planche. Vous méritez la planche. Prends l'accordéon tout de suite. T'as vu Bobby's, regarde. Prends regarde l'accordéon tout de suite. Get ça. Ah, il est trop barbare. C'est pour toi ça. Tu prends l'accordéon tout de suite. Ah bon? Ou tu vas te faire kick de l'équipage. Ben non, c'est très gentil ça. La musique c'est sacré sur Sea of Thieves. J'ai dit l'accordéon, on a déjà un tambour. L'accordéon. Dans 3, 2, 1, tu te fais kick. On te fout en cellule. Bon bah... Boobies, tu fais échappe. Non, après ça dure un quart d'heure là. Après ça dure un quart d'heure pour ça. Alors tu prends l'accordéon tout de suite. Non, faut lever l'angle, faut qu'on joue. Tu prends l'accordéon tout de suite. Hop. Prends l'accordéon. C'est bon, je l'ai. Le mec, la pression de la tôle. Ah, j'ai l'accordéon. Après... Chargez les canons. Alors, à titre informatif, je te donne une... Décharge pas cela, Boobies. Non, alors, pas cela. Barbachauve, capitaine Barbachauve, je te donne une astuce. Si jamais tu te retrouves en cellule, et bah si tu te retrouves en cellule, fais en sorte d'avoir un verre de grog avec toi. Bourre-toi la gueule. Je vomis. Et non, c'est même pas vomir. Et commence à jouer de la musique. Tu vas casser les couilles à tout le monde. Hello. Hello. Il va te faire enculer, Boobies. Hello. Viens là. Reviens. Ouais, attends, on peut lui faire un ASMR. Reviens. We won't kill Megalodon, my friend. Oups. Allô. Friendship. Allô. Merci, Momo. Allô. Allô. Vous avez des quêtes. Allô. Allô. Faut que je pose une quête. Allô. Boobies, viens voter tout de suite. Boobies, viens voter. Bise, viens voter, putain! Attends, je viens voter. Bise, bordel, viens voter! Mais au pire, moi, mes quêtes, elles sont niveau 30. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. On s'en fout! J'en ai pas, bon, j'ai pas de quêtes. Bon, comme ça, c'est fait. Allez, travaille, cherche des quêtes, j'arrive. Oh, non, c'est pas par là. Je suis fatigué, je fais une pause. Vas-y, viens, Boobies, on fait une pause. Aux armes, citoyens. Pardon. Excuse-moi,
Viens, on fait une pause. On arrête. Arrête d'avancer. Voilà, on fait une pause. Marchand. Et là. Et là, on lève l'ancre. Et le Herbachaud, il est pas là. Allez, salut. Salut, Herbachaud. Mais carrément, oui. On a deux étoiles, oui, champion du monde, oui, bien sûr, c'est nous, oui. Hop là. Je les quêtes. Putain. Ça va même pas regarder. Il y a 4 super. Il y a 4 bordels. Et j'ai déjà mal aux cheveux. Ah, vous avez le DJ de. Eh, vous avez le DJ de. Oui, du Rocker, oui. Du Discord. Faut que je vous fasse écouter un truc qui me donne trop envie. Eh, que dalle, mec, hein. Si c'est pas libre de droit, que dalle, hein. Ah, merde. Bonjour, non, mais je crois pas. Connard. Bon, bah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, il faut que tu nous coches Shipwreck Bay, déjà. Ensuite, il faut que tu nous coches Second Groove. Tiens, regarde, hop. Et ensuite, c'est ça. Oh putain, le connard. Tu dis une direction après et ça part. Shipwreck Bay, c'est ici. Second Groove. L'autre, elle est au nord. Second Groove. Oh, l'autre, elle est là. Oui, entouré. Ah oui, Snake Island, quête. Souka les Artibus. Ça veut rien dire. Souka les Artibus. Ah, mais des fois, il s'active son micro, des fois, non, en fait. Souka. 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 Par contre, je vois rien, Bobby, et lui, il est devant. Souka, Souka. Souka, Souka. 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 Oh putain, on va traverser toute la map. Non, il y en a une, elle est juste devant, on va se la manger dans pas longtemps, je pense. Comment ça va? Non, c'était pas ça. T'es sur la carte là? Ouais. Tu peux me dire, genre, si l'île juste devant, c'est bien la bonne île? Oui. C'est la bonne. On va traverser toute la map. On va traverser toute la map. Bobby's la voie avant. Il y a plus de musique, messieurs. Là, il y en a pas un qui peut faire de Beltrin qui fait de la musique. Merci. Grande voile, non? Ah non. Il y a une statue dans l'eau à droite, là, un saphir. Ouais, bien vu. Bon, faut que quelqu'un lâche l'ancre un moment. Tu me dis quand c'est bon? Bah normalement on passe entre les deux trucs et c'est bon. On se cale entre les deux, comme ça on est tranquille. Ça avance tranquille. Ah, je suis désolé. Ah non, c'est bon. C'est bon, je suis pas désolé. Vas-y. C'est bon, je suis pas désolé. J'ai trouvé du cuivre. Le premier loot, premier sang. Enfin, on est sur quelle île? On est sur celle-là? Il y a une statue à l'arrière, je vois ce que c'est. C'est une saphir, enfin, c'est une émeraude, pardon, c'est une rouge. On va venir à 3 là par contre. Non, à 2 ça se fait, mais j'arrive. Mais c'est pas une rouge, c'est une bleue. Non, c'est une rouge que j'ai moi à l'arrière de la petite île là, c'est une rouge. Ah ouais, putain, mais celui-là on peut le taper vite. On est sur une perte. Oh putain, attention, recule. Oh, on a gagné un tonneau. Nice, vas-y, on s'occupe vite de... Qu'est-ce de
serpents et de poulet, je galère à les prendre ou pas? Mais quoi? Les caisses de serpents et de poulet, je les prends. Oui, tu prends tout. Prends tout. Mec, les marchands, c'est tellement chiant en montée. Alors, il est où? Il est où? J'ai déjà le deuxième loot de ce galion, les gars. Vous êtes à la bourre. Vous traînez la patte. D'ailleurs, faut bien qu'il y en ait qui s'occupent du bateau, juif. Oh, t'es marrant. Tout de suite, donc les juifs, ça s'occupe pas des bateaux. D'accord. Ouais, ouais. Oh, bravo, belle mentalité. Il y a plein de barils, les gars. on est sur quoi comme île, là? Snake Island, non? Ah oui, on est sur Snake Island, ok. Nice. Le caillou du haut. Le caillou du haut, je crois qu'il est par là. Merde, j'ai bloqué un baril. Bon. Ah, ça fait boum. Je pense que ça a dû mal tourner pour certains d'entre eux. Il est où ta statue là? Hop. C'est moi? Oui. T'as pas dit qu'il y avait une statue, je sais pas quoi? Si, l'émeraude, vous l'avez. Non? Ah oui, on est l'émeraude, ouais. C'est le coffre de l'île? Non, c'est pas le coffre de l'île. C'était un coffre qui était posé là. Je l'ai pris. Skull clip up. Mauvaise idée. Parfait. Et mon truc, il est sur cette petite île là derrière au fond. Je te suis. Un livre. T'as eu 4 crânes. Oh, putain, c'est 4 capitaines. Je suis déjà fatigué. Est-ce que l'un d'entre vous peut dire l'heure à laquelle on tourne cette putain de vidéo? Il est 2h du matin. Ah, merci. Passé. 2h20. 2h20. Exactement. Ouais, c'est carrément. T'as eu le coffre, monsieur. J'ai eu le coffre. Je cherchais un baril. Ok, on t'attend. Et on reprend la mer juste après. Oh, vous avez pu me dire qu'il n'y a pas de serpents et pas de poulets sur cette île? Il y a des serpents ou des poulets? J'ai oublié ça. Écoute, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup d'animaux en tout cas. Alors, déjà vous êtes des enculés parce que cette île s'appelle Snake Island. Donc il y a forcément... Moi j'en ai pas vu. Des serpents. Bah oui, on avait fait une quête avant sur l'île. Dans notre épisode. Exactement. Épisode précédent, dont Boobies vous invite à mettre un pouce bleu. Oh Boobies. Pouce bleu, mettez un pouce rouge. Ouais, vous pouvez. D'ailleurs, ils ont remis les pouces bleus d'ailleurs. Parce que avant c'était des pouces blancs. En fait. La prochaine île, elle est à gauche, elle est à côté, vraiment genre à côté. Quelqu'un fait un tour sur l'île à gauche hein, pour installer des trucs. Attendez, je suis en train de faire un tour avec le panier à serpents là. Que je me dis c'est quand même chaud d'avoir zéro serpent sur une île qui s'appelle Snake Island. Faut aller sur les petites îles.
Là, on voit, il y a peut-être une chance quand même. Sérieusement, il n'y a pas une bestiole sur ces îles? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça sort l'event bientôt, ça, non? Ça pourrait. Moi, ça me tente très bien, petit event pour toi. Chaud, oiseau. Oh! Est-ce que vous pouvez venir sur ma position? Est-ce que vous voyez où je suis? Attendez que je vous le donne. Déplacez peut-être le navire jusqu'à moi. Je suis en nord-est. Il y a... Pourquoi tu veux qu'on aille là-bas? Parce que j'ai un truc de poudre avec moi et j'entends un truc à la mer. Bah, je cherche le truc à la mer, mais... Ouais, voilà, Bobby's, bien vu. Oh putain! Pile sur toi, mec! Non mais genre, pile! Surtout. Non mais genre, tu prends le canon oiseau, t'atterris pile sur... Je l'ai remis déjà. Je prévois, je vais lever l'angle. C'est par là le bateau, Ah oui, j'entends la statue là. Ah, je la vois, elle est là. Ok, et c'est bon. Monte à la surface avec moi, sur l'île, il y a un tas de poudre à prendre. Je récupère le panier de serpent. Ouais, ça, je les prends tout le temps, c'est tellement efficace contre les bateaux. C'est la vie. C'est tellement la meilleure chose au monde. Maintenant, t'es efficace à pour 150 balles. C'est l'objet le plus commun qui te permet d'améliorer la guilde des marchands. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Je l'ai mis où? Tu l'as trouvé le baril? Ah oui. J'ai pris le baril. Je trouvais plus. C'est quand vous voulez pour partir. On est en train de faire demi-tour. On arrive. Le bateau est prêt. Ok. J'ai repéré la prochaine île, elle est à gauche, le vaut d'ici, elle est toute petite, elle est passée devant elle. Ouais, je l'ai pas marqué. Non, celle des crânes, là, je parle. C'est quoi, c'est... Chicken oh putain. Oula, Barry, cours, toi, cours. Parce que là, le double baril explosif... Oui, mauvaise idée. Cours, t'entends deux pas, putain. Je voulais voir. Ah, il a un trombon. Cours. Ah. Oh putain. Au revoir. J'ai tiré dedans. Bon, je vais partir. Mais je crois, ouais. Y'a le panier à serpent sur l'île. Ouais, c'est pas grave. Tiens, je cherche. Je l'ai laissé dans la caverne. Si vous voulez. Non mais récupérez-le, ça fait des thunes pour les marchands quoi. Et de la répute. Je l'ai. Et on n'est pas encore level 50 quoi, donc c'est bien de le récupérer. J'essaie de tourner autour de l'île, Boobies. Vas-y. Je veux un crâne, s'il vous plaît, un crâne. On aimerait bien. T'as déjà fait un crâne, Knarfong? Non. Enfin, oui. Quoi? Oui, mais non. J'en ai jamais... T'as jamais... J'ai jamais ouvert la porte. Oh! Ah ouais, mais faut que tu le fasses, gros. Mais je sais. Il faut que je le fasse pour YouTube. Je vous laisse combler, les gars, j'arrive. Ah, c'est bon, je suis là. Je t'aide. Tu veux quoi? Là, pour le moment, rien ne se tourne. Normalement c'est la petite île à droite, va sur la carte vérifier si c'est bien la petite île à droite là. Yep. Je suis en train de tourner. C'est ça, tu tournes, elle va bientôt être en face de toi. Ok, vas-y. Bah mets la voile avant et puis... Ouais. Ok. Pas de bateau. Ah. Même si t'as vraiment, tu peux réunir une communauté, genre. Tu fais un galion ou deux, tu sais, avec 2-3 sloops à côté de chaque galion, mec. Ça peut vraiment faire. Ouais, mais là c'est beaucoup. Ah mais genre, mec, y'a trop moyen qu'on fasse 3 sloops en binôme.
Mais je pense qu'ils vont augmenter la taille des serveurs parce que tu pourras pas avoir des groupes comme ça, voire t'auras que deux groupes par serveur, ça sera pas marrant, tu vois. Mmh. T'as un de tes bateaux qui part en éclaireur, il croise un autre groupe. Et quand il passe à côté, tu sais, genre tu fais à Miami, tu peux te retrouver. Enfin, tu peux te retrouver. Ah, y'a des barils là, on les prend Non, 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 t'inquiète, je vais aller voir ce que c'était. Mais... Très con de passer à côté des barils, non? Ouais, non, t'inquiète, enfin, je sais pas comme tu veux, bah, c'est un peu trop tard, ou alors faut lâcher maintenant quoi. Mais... Non, non, c'est bon. C'est juste que bon, faut quand même qu'on fasse des réserves au cas où quoi. Vas-y, tu peux ranger la voile avant. J'ai plus trop l'habitude du jeu, hein. Tu m'excuseras. T'inquiète. Faut lâcher là, bientôt l'encre, je pense. Tu me dis quand beaucoup... Bah vas-y, mais y'a pas beaucoup de fond, je pense qu'on va taper. Non, non. C'est propre, c'est un peu loin, mais c'est propre. Y'a des squelettes là, c'est ça? Yes. Tu es au canon? 4 crânes. Par 3 hein, s'il y a des trucs explosifs. Faut que tu te mettes là, ouais. C'est des fantômes. Ah, vous avez trouvé des fantômes. Je sais pas si utiliser les canons c'est bien le genre, on garde les boulets. Vas-y, vas-y, tire, tire, tire. Oh ah merde, t'as plus de tuer là. Ouais, je vais mourir alors là. Hein? Ah oui, ils sont pas encore. Hein. Voilà, c'est bon, vous pouvez les tabasser, vous pouvez les tabasser, vous pouvez les tabasser. Vous pouvez les tabasser, vous pouvez les tabasser. Je vous rappelle que pour les squelettes fantômes, il faut de la lumière pour les tabasser. Ouais, ça. Ah, j'entends une statue. Ah, doré, doré, doré. On les emmène dans l'eau. Dans l'eau. Allez, venez dans l'eau, venez dans l'eau. Ah, on tourne vite fait de... Voilà, y'a des trombons de merde là. Ah, je suis mort. Je me suis à tout saphir, j'en profite pour la terre, je pense que ça marche. Faut que je revienne chercher des balles en fait et des bananes. Quoi. Ils l'ont un peu amélioré, ils ont mis des bougies maintenant dans le vaisseau fantôme. Ouais, petit bâtard. Venez dans l'eau, venez dans l'eau, venez dans l'eau. Mais après, y'aurait des vaisseaux PNJ, ça serait trop bien ça, les vaisseaux PNJ. Des vaisseaux quoi? PNJ. Ah oui, oui, ça c'est normal. Ah, ça manque terriblement. Ah ouais, mais ça va être trop bien, mec. Hein. En fait, ce sera pas des vaisseaux PNJ. Normalement, ce qui a été dit, ce serait un bateau genre fantôme. Tu vois, le bateau fantôme, ce sera un bateau comme ça, un peu comme le Black Pearl dans. Enfin, comment ça s'appelle? En Pirates des Caraïbes. Ouais. Et en fait, bah tu devrais être justement en équipage parce qu'il serait super dur à combattre. Et c'est pour ça que les équipages vont sortir avant. Je sais pas pourquoi ils voulaient pas le frapper, mais bref. Après les équipages, ça devrait être ce fameux bateau et t'aurais après des. Comment ça s'appelle? Des skins qui ressembleraient un peu aux skins du bateau fantôme. Incroyable! Ça serait bien. Des voiles, des trucs comme ça. C'est trop cool! Et c'est pour ça que ça pourrait rassembler vraiment beaucoup de monde, un peu comme ils ont réussi à faire avec le Mégalodon. Parce que clairement, le Mégalodon, c'est un événement qui a super bien marché, ça rassemble des gens. Y'a pas que ça, les trônes. Tu l'as déjà fait? Les trônes squelettes, si tu veux les faire. Bah lui, il l'a déjà fait, et puisqu'il a le tueur de squad. Les trônes squelettes, tu peux les faire tout seul si tu connais les strats, ou tu peux les faire en sloop à deux pépouses et personne se rejoint, c'est. Quoi? C'est... Les trônes là, si tu parles bien des trucs à la fin où t'ouvres un coffre, enfin t'ouvres une. Comment ça s'appelle? Non, les trônes il faut que t'ailles t'asseoir dessus. Il y a les trônes squelettes que tu peux faire avec n'importe quel équipage, et puis il y a des trônes squelettes. Ouais, enfin c'est pas que les gens se rejoignent, c'est qu'ils ont juste pas envie de se prendre la tête à essayer de s'entretuer avant de le faire, donc ils en profitent. Bah c'est juste que t'as pas le choix en fait. C'est à dire que y a des trônes, t'as des trônes qui sont solo, et puis t'as des trônes dites squelettes. Il faut deux équipages différents. D'accord. En fait, c'est pour ça. Et moi, ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est le squad. Fantôme. Voilà, bon, il fait jour, on s'en fout. Il fait jour. Que dalle, on voit que dalle. Le tromblon. Un bâtard. Ça, on vous bise ou vous faites une banane? D'accord, on a encore eu aucun capitaine. Non, aucun. Y'en a 4 hein, tu m'as dit? Y'en a 4, non. Normalement, j'aurais un capitaine de la musique.
Encore des dorés. Putain, oh non, ils sont horribles là. J'essaie de vous les mettre bien pour les niquer là. Oh putain, ils font mal, j'ai plus de bananes. J'en ai une si tu veux, je suis à fil. Faut que j'aille chercher des balles. Vas-y, attends, laisse-le descendre dans l'eau, laisse-le descendre dans l'eau. Non mais il est mouillé là. Ah, c'est mouillé. Attends, mouillé. Attends, il a pris une banane. Il a pris une banane, il est frais, voilà. Maintenant il est plus frais, vas-y on le prend en prank. Vas-y on le prank. Voilà, c'est bon, on l'a pranké. Le baril sur le bateau, genre posé sur le. Oula, 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 vite, cartouche, 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 cartouche. Oula, il va faire un look bizarre le bateau. Il va faire un look chelou. Non, c'est pas par là, c'est juste au-dessus. Voilà. Faut sauter. Oui, faut sauter. T'as jamais ouvert la porte de l'event, putain, alors t'as jamais vu les gros coffres et tout. Si, par le biais de Zerator. Et moment. Ah ouais, mais t'as tellement de... Tu te fais trop de répute hein, quand t'ouvres un truc comme ça. Ouais, clairement. Oui, je te crois sur parole. La thune aussi, c'est genre minimum. C'est meilleur. 12 000, 15 000, 15 000. C'est énervé. Si tu chattes, tu peux... Gros coffre, enfin, plus gros crâne qu'en effet, c'était 22 000. Putain. Quoi, des dorés? Ah, t'as encore des dorés? Oui. T'as 3 capitaines dorés. Ah, mais attends, y'a les 3 capitaines là? Tous dorés. Bon, les 4 capitaines, excusez-moi, les 4 capitaines sont des dorés. Pas trop tôt. Costaud les gaillards. Ouais, mais il faut des balles, c'est mieux. Il est dans l'eau là. Ouais, il est dans l'eau. Je vais mourir. Meurs avec ta banane dans ta main, là, c'est quand tu prends une banane, c'est que t'as plus de vie, connard. Connard là. Gac, allez, allez. Ah, c'est ça. Ah. Oh la vache. Putain, mais le nombre de coups qu'il fallait leur donner là. En tout cas, ça fait des beaux crânes. Un doré. On a quoi là? Deux dorés. De doré et de vif. Et un moyen. On a deux vifs. Je mets les trucs sur le pont, je vous laisse les ranger. Je vais vous les mettre. Bon, comme d'hab. J'ai mis le baril dans le truc de là où il y a les quêtes là. Oui, ça marche, je m'en occupe. C'était une bonne quête, tu as récupéré là. Putain, j'ai bien fait de voir ce putain de livre là. De lire ce putain de livre. Ouais, c'est un livre que j'ai trouvé. Ah oui, j'ai cherché. On va. Allez. Il y en a encore un crâne, non? J'en ai un, là, je l'ai pris sur la plage. Ah ouais, c'est bon, là.
Il est où le baril? Ah oui, je... merci, je prends ça. La carte. À droite, castel et c'est l'avant du bateau. Je stocke les boulettes, je mets tout dans le tonneau du haut. Il ne manque rien là. Il n'y a pas de poulet là-dessus. Ah si, il y a des poulets. Attendez deux secondes, je vais chercher un poulet. Attendez, je vais chercher un poulet. Tu peux vérifier si les deux voiles avant, boobies, elles sont bien rentrées. Oui. Merci. Je vais lever l'encre. Par où tu vas, par où tu vas. Je vais t'aider. Il y a un petit poulet doré, on en parle plus. La barre est droite. Alors, 150 balles dans la poche. Passer le caillou et passer sur la droite complètement. Il y a un gros amas rocheux, c'est derrière. C'est là-bas. Vers là où je regarde. Là. Castle Isle. Ok. Ouais, droite toute. Attends, limite on peut le faire sur place, on peut aller direct plus loin après. Il nous manque pas un crâne là? Non, il y a assez d'eau. 1, 2, s'il y en a 4, 3, j'en ai que 3 des crânes, il en manque un. 3? Il en manque un. T'inquiète, t'inquiète. Non, il est derrière le coffre, non? Il est derrière le coffre. Ouais, putain, repose le coffre là où il était, s'il te plaît. Attends, il est où l'autre crâne? C'est bon, je l'ai, c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai tout. T'es gâté. Vous pouvez juste mettre la voile avant, pas besoin de sortir celle du. Ah, oh, c'est bon, on a tout. Et en plus, on a tout, et tout bien rangé. C'est beau, c'est esthétique. Hein. Si quelqu'un nous coule, il dira, putain, c'était quand même vachement bien rangé. Ça, c'est bien aussi, je vois dans le bon sens. T'es à fond. Ça passe entre le caillou de gauche, là, et le truc devant, en boobie, si tu penses, ou quoi? Si tu manœuvres bien, ouais, je pense. Je vois pas bien que la voile. Tu vois pas bien que la voile? Parce que j'ai la voile à droite là qui me gêne. Ah, tu veux passer à gauche ou à droite du caillou là? Gauche, non. Je veux passer à gauche. Non, en fait, je veux passer à entre. Oula. Ça passera jamais, mec. Avec du galion. Ça, ça pouvait passer normalement. Ouais. C'est derrière ce caillou. Ah, ça se fait. Justement, ça se fait dans. Comme j'arrive là, ça se fait. Ça se fait entre celui de gauche et de droite. Mais faut que tu braques maintenant, sinon t'es baisé. Non, attends, on va trop vite, on va trop vite. Non, on va trop vite. Faut que tu braques à gauche, braques à gauche. T'inquiète, t'inquiète, c'est un galion, faut que ça bouge. Ouais, je sais. Et c'est chaud. C'est chaud. Ça passe quand même. Là, il faut que tu braques à droite. Full droite, full droite, full droite. Non, mais c'est impossible. Non. Je suis à part aller à gauche, là, on va taper un peu devant. Un petit peu. Titanic. Un petit peu, ça va, je vais réparer. Attends, en fait, on était pleine voile, donc on avait masse vitesse. Et tourner un galion quand t'as masse vitesse, c'est compliqué. C'est technique. Disons qu'il faut avoir un bon capitaine à bord. Qui a nommé Oiseau comme capitaine déjà? Je propose de l'enfermer dans la cellule. C'est toi. Pire, j'ai un pire châtiment pour lui. Oh, j'ai mieux encore. Attendez. J'ai mieux. Ranger la voile avant parce que là, l'île, on va vite la dépasser après. Je suis dessus. Les crânes étaient toutes les 3 heures, c'est ça hein? Les crânes ah, pas, ouais, c'est une théorie aussi. Hein. Ouais, c'est une théorie obscure, hein, dis-moi. Hein. C'est à peu près toutes les 3 heures, c'est ça. J'arrive. Je vais sortir un peu la voile, non? J'arrive avec la punition, Barba. J'arrive avec ta punition, j'arrive. Tiens, apprends ta punition. Ça va, mais si j'entends pas trop. C'est assez chiant. Je me jette. Il y a déjà une statue, c'est sûr, je l'entends. Il y en a une à gauche, je crois qu'il y en a une à droite aussi.
Il y en a encore une en bas là. Ouais, il y en a une tout au fond là-bas. Emeraude. Attends, je vais reprendre mon air sur le grain. Ouais, reprendre un peu d'air quand même avant. Là, bah, une bleue de l'autre côté. C'est saphir les bleus, c'est ça? Ouais, c'est saphir. Il y en a une de l'autre côté encore, une saphir du coup. J'ai pas encore vu de rubis, hein, j'en ai vu aucune. Je t'en ai détruit une, normalement tu dois déjà en avoir une sur trois. En fait j'ai encore un doute sur les couleurs. Bien sûr. Mais t'as émeraude, t'as saphir et t'as... Et t'as... De la bonne couleur, tu vois. Vous l'avez fait de l'autre côté? T'en avais une, non? Je sais pas du tout, je suis en train de faire le tour de l'île, de tourner autour de... J'en ai pas vu une. Je suis quasiment sûr d'en avoir une. Non? J'ai cru alors. Attention, c'est peut-être une carafe ou un truc que t'as vu. Bah, je suis quasiment sûr d'en avoir une. Ah mais comme tout à l'heure, je pensais qu'il y avait deux statuettes côte à côte et en fait, il y avait une carafe dans l'eau. Attends, vite. Essayez d'entendre. Oh, j'ai peut-être cru alors qu'il y en avait un. Visiblement. Visiblement. Ok. Il me semble que j'en ai vu une en arrivant, mais. Eh bien, tu consommes du mauvais shit. Bah non, du bon du coup. Du bon shit, oui. Façon de voir. Voilà, il y avait quoi à faire ici? Il y avait un trésor. Hein. Je crois oui, que c'est ça. Question. Oui, c'est exact. D'après la carte, il doit être... là. Bon, on va où là? Juste en face, t'inquiète, je suis chaud pour l'invitation. Attends, je te ralentis peut-être un peu. Je suis en train d'aller faire un peu d'origami. T'inquiète. T'as marqué la deuxième déjà? T'inquiète. Je vais te marquer ça en ligne en fait.
peux me mettre la voile avant si tu veux. La voile du milieu, parce que c'est assez loin. Ouais. C'est tout la mare rocheuse, là, tu sais, les pics rocheux. Bien, si tu veux, je prends la barre. Oh, t'inquiète. Ok. En fait, tu la prends, tu me le dis aussi. Hein. Non, non, moi ça va, pour l'instant. C'est juste que quand on arrive sur un île, faut juste penser à ranger. Au moins, juste essayer une voile à me ranger à la fin. Ouais. Si tu peux ranger sauf une à la limite, puis genre je la range avant. Comme ça, toi, je prépare le bateau. Genre. Assez vite puisqu'on va arriver. Y'a-tu pas aussi ou je rêve là? Y'a des pas en face là. Je vois pas, faut me dire. Je vois des mouettes. Je vais lever la voile du milieu. Je vois des mouettes. Tu peux juste réduire la voile du milieu, ça suffira. Tant qu'on y arrive. On est toujours dans l'axe. Ouais. Oui. Je te lève un peu que tu vois. On est parfait. On est parfait. C'est une épave. Confirmé. Remets un demi-cran à gauche parce que c'est ma dépasse de l'eau. C'était bien, c'est pas. Tu peux jeter encore un coup. J'ai vu, plus sur la main. T'inquiète, tu gères. Dans le capitaine. Sur cette île, il peut y avoir masse statue. Il faut qu'on cale le bateau et qu'on le fasse après à pied quoi. Il y a un trône aussi, c'est Shivrek Bay non? Il y a un crâne juste derrière là, juste derrière l'escalier, il y a un crâne. Ouais, je le prends. En plus, c'est un infâme. Non, les infâmes, c'est les moins bien non? Non, c'est pas les moins bien. Les moins bien, c'est les tout blancs. Ouais, c'est dégueulasse. Après il y a infâme, après il y a vif, après il y a quoi? Il y a ville, non c'est ville, le truc. Je sais pas, pour moi il y a ceux qui rapportent de l'argent et ceux non. Franchement il y en a deux qui rapportent, enfin trois qui rapportent vraiment de l'argent, après le reste c'est un peu du... Ouais bah après tu prends pour la répute vite fait quoi. Un peu de la merde pilée quand même. Tu les prends quand même quoi. C'est ça, tu les prends. Ouais voilà. Ça fait toujours un petit billet de 100 balles et puis ça fait toujours un peu de répute quoi. Ouais, vraiment minime quoi. Y'a rien. Bon, la répute elle monte tellement peu avec les crânes. Prenez les planches tout, hein. Parce que là y'a masse. Le bateau, moi il est prêt à partir. Je vous attends dessus. Je surveille à chaque fois aussi. T'entends qu'il n'y a pas des gens qui nous. Moi je prends les boulets. Ils nous cherchent des noises. Puis je regarde aussi s'il n'y a pas un crâne à faire. Là. Si on est tranquille comme ça là, y'a pas. Ouais, bah là, le bateau. Ah, y'a une caisse d'épices là. Y'a une caisse de quoi? De thé ou de sucre raffiné. Beau gosse. Le truc est noir dessus, non? Non, sucre, blanc, c'est blanc. Blanc dessus. C'est celle qui vaut le moins. Ça dépend. De quoi? J'ai eu des surprises au niveau des caisses. Hein. Des fois, j'ai des caisses qu'on prend qu'à 1800. Parce que ce qui compte, en fait, c'est pas forcément le type, c'est ce qu'il y a derrière. Si c'est rare, exquis, machin. Mais raffiné, c'est la base. Ah, c'est ce qui est derrière. Oui. Ok, je savais pas ça. Ça joue un peu, mais c'est principalement ce qu'il y a derrière. C'est good? Tu peux bouger ou pas? Ouais, vas-y, je te lève l'ancre.
c'est de faire. T'inquiète, t'inquiète, je te mets un peu la voile là. Non, j'ai retrouvé avec la voile arrière en fait. Vas-y. Oh là là, c'est sexy ce loot hein. Je vais ranger ce que j'ai. C'est pas dingue, les bananes, tout ça. C'est... N'oubliez pas de stocker un peu de. Je fais juste le tour, je vais aller me poser dans la crique derrière. Parce que là, on a rien en banane, on a. Sinon, mais là, t'inquiète, sur cette île, on va pouvoir se mettre bien. Le nom de l'île, c'est quoi ? On va prendre le temps de looter et tout. Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. Il y a un. Quelqu'un peut ranger un tout petit peu la voile derrière ? Il y a un trône, mais il va falloir deux équipages pour bénéficier du trône. Vraiment pas beaucoup. De moitié ? Il y a un sloop à droite, non ? À l'île à droite où c'est juste une vigie et je le vois c'est un peu. Vigie. C'est deux vigies. Je vois pas. En tout cas, je vois un paquet de mouettes qui tournent à tribord. Au-dessus du caillou à gauche de la grosse île. Ouais, il y a une. Ça, c'est du décor, non ? Non. Il y en a une épave. Non, soit il y a une épave, soit il y a des tonneaux. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ah, il y a un truc qui brille sur l'île. Bon. Ah ouais, exact, ouais. Bon, allez-y, je peux gérer tout seul, je pense. J'y vais, je déjà, j'y suis déjà. TKT, non, le TKT, pour un truc, j'y suis déjà. Et surtout, je vous dis s'il y a des serpents ou pas. Parce que s'il y a des serpents, ça peut devenir intéressant. C'est une bouteille. Bouteille à la mer, monsieur. Toujours plus de quêtes. C'est une... Ouh, putain. C'est sur une île avec 6 coffres. C'est bon ça. Cela ça rapporte pas mal hein, 6 coffres mon gars. Certains disent que c'est bon ça. Alors il y a des poulets mais est-ce qu'il y a des serpents sur cette île? Donc qu'est-ce qu'il a dit? En haut du pic, mon or à jamais repose à moi. Oh putain. Ok. Hashtag les embrouilles. Alors attends, il faut que j'aille en haut du... caillou là. Faut prendre le mât. Tu peux prendre le mât pour y aller. Ah, faut prendre le mât ? Oui, tu peux prendre le mât depuis le navire. Ok. Ah ouais, bien vu. J'ai pas vu. Merde. Le problème c'est que je suis pas doué moi. Du coup, c'est compliqué. Et c'est quoi l'énigme à la suite? Bah, je suis au pire reste en bas. Mon or à tout jamais repose, à moins qu'un air on compose. Bah d'accord, il y a que ça pour te faire plaisir. Tiens, tu dois voir le trône depuis là où t'es, Barba. Otados, à l'ombre du pic le plus grand, vous n'êtes plus loin encore, ok. Otados. Je suis mort. À l'ombre du Tados. À l'ombre du Tados. Ce qui veut dire en français dans le texte. Que c'est là. D'accord. Je te l'ai cherché. Encore 8 pas au nord-nord-est et creusé sans lendemain. Ça doit être là. Bravo monsieur. Bon c'est un coffre de merde mais bravo monsieur. Y'en a encore. Ah. Est-ce que quelqu'un peut détruire cette gentille personne qui me tire depuis le canon parce que je vais prendre des boulets dans... Vas-y Rang si tu veux. Non, tant que je le déterre. Moi je suis en train de chercher la brèche. Non mais genre faut qu'il y en ait un qui vous deux qui aille genre maintenant. Moi je suis sur le bateau, je suis mort hein. Ah. Ah! Mais attends, il est où? En haut, faut que tu remontes sur le truc qu'il disait tout à l'heure, là. Où t'es monté, là, le mât. J'y vais. Ah, on en a pris un.
Bah ouais, si t'es sur le bateau, répare en attendant. Je suis dessus. Souffrir. Mais je vois aucune brèche, putain. T'inquiète, ça va pas tarder, surtout que là on est en train de toucher. Parce que pour esquiver, bah, j'ai essayé de rentrer dans le truc. Ok, je le vois. Moi, je veux bien qu'il nous fasse des brèches, mais à un moment donné... C'est bon, il est neutre. C'est bon. Faudrait qu'il fasse des brèches, quoi. C'est bon. Ouais, d'accord, il nous a fait des brèches, à côté. Vas-y, j'arrête le bateau là. Ouais, j'entends. Ouais, c'est une saphir, je vais la faire vite fait. Je vais finir le coffre, moi. Yes. Vas-y, ramène le coffre. Y a des serpents sur cette île, juste tu peux check. Si on récupère serpent, on n'en parle plus jamais. Voilà. A casser le jouet. Oui, très content. Ok. Putain, mais la bouteille était rentable là. Putain, 6 coffres, 120 000, c'est. Bon, après, si c'est que des coffres de fond de cale. J'entends une sirène là. T'as trouvé les 6, Bobbies? Non, mais c'est pas sur cette île. T'entends une sirène? Là, y'a une sirène juste là, quelque part. Là. T'es où? Elle est là, c'est une bleue. Tu la pètes ou t'as besoin d'un coup de main? Je la pète. Attention, alors, ma chauve, y'a un tromblon au pied du navire. Quoi? What was that? Merci, je préfère. Mais putain, c'est triste de pas être doué, hein. Je vous jure. On est avec le coffre. T'as combien de coffres là sur enfin, t'as que ici. Ouais. Ok. Alors. Et l'autre truc qu'on a eu chez vous, c'est les deux petits nichons. Oh, putain. Sur la côté. Elle est belle cette carte, j'avoue. On va à gauche pile poil. Elle est très très belle cette. À gauche. Oh putain, pour sortir ça va être sport, mais je m'en occupe. Tu as un coup de main? Pour le moment, faudra juste être patient quoi. Classique, tu veux que je te remonte les voiles à l'arrière pour pas avancer? À la limite, ouvre-la à fond là, celle de derrière. Ok. Tu l'as. Et puis il reste dessus. Tu veux que je te la règle ou pas pour être sous le vent ou pas? Parce que là, attends. T'inquiète. Pour le moment, reste dessus. Ok, j'ai un crâne là sur la plage, je vais le chercher. Vas-y, réduis-la, ferme-la complètement. Je m'assure d'avoir mis un crâne là. Ouais, bingo. On va être obligé de. Crâne à femme. Ah putain, t'es à droite? C'est fermé. Ah ok, j'arrive. Oula, tu devrais pas braquer autant. T'inquiète, hein, je le prends là. Va se fermer derrière. Tu l'as eu, Bobbies? Non, je l'ai, c'est bon, je suis là. J'ai l'œil. Vas-y, tu peux ouvrir à fond la voile. Attends, mais il est où? Je l'ai posé, mais il est où là? Je te mets sous le vent. Il est où? Je l'ai pas jeté dans l'eau quand même. Oh, t'es pas dans l'eau là? Avec les Muse crâne. Si, mais vas-y, c'est pas grave, je prendrai la sirène, mais je regarde si je l'ai pas jeté dans l'eau le crâne. Il l'a posé où normalement? Normalement, oui, j'ai sans faire exprès, j'ai appuyé sur X près de la planche. Près de la planche? Oui, sans faire exprès. Stop, on jette l'encre, j'ai entendu une sirène. J'ai entendu aussi être derrière. C'était un peu loin. Tant que ça, j'entends vite fait l'écho. Si vous pouvez voir vite fait le. Là, ça firge. Tu l'as? Ouais, je prends ma respiration et je redescends. Ouais, exact. Énervé. T'as dû faire tomber ton crâne à l'eau. Non, il est pas à l'eau.
peu il au fond. Non, je l'ai pas vu sur la planche. Ah oui, même il flotte, hein. Ouais, mais des fois il tombe au fond. Comme si tu l'avais posé quelque part sur le bateau, mais ouais. Il a pas traversé le bateau, alors il serait posé étage en dessous. Ah, ça serait pas impossible. Après, normalement, quand on s'est arrêté, j'ai bien passé le bateau de toute façon, ce qu'on est reparti sur tout le pour rigoler, mais ça m'est arrivé un bateau avec je sais plus combien de coffres à bord et je sais plus combien de crânes. Pas beaucoup, quoi. Au moins une douzaine d'items. Tout à fait traversé le bateau. Il avait fini dans un monde parallèle. T'es rentré au plan droit. Ça a l'air mort ton histoire. Ah mais c'est pas grave, j'ai l'impression que c'est pas un truc bien. C'était pas un crâne doré. Non. Bon, t'en veux pas, alors tu peux remonter à bord. Alors, faut tu l'as à droite. Non, on l'a pas. Je suis en train de lever l'encre. T'es à bord, Boobies? Ah ouais. Ok. Il y avait pas de poulet sur cette île? Non, là, je passe cette encre juste pour des poulets. Ah ouais, merci. Je demande parce que j'avais pris un poulet doré et que vous l'avez crevé ou je sais pas quoi. Non, vous avez trouvé notre cage. Ah non, vous avez trouvé notre cage. Oui. Ah. Tu veux qu'on tape les poulets, même les animaux? Non mais ça fait des points pour les marchands, les poulets dorés mon gars, ça fait des points pour les marchands. Et des bons points. C'est de la merde. Ça rapporte pas beaucoup de thunes mais ça fait des bons points. J'ai vu le Tunisien qui t'a redit c'est de la merde. Y'a rien là à gauche là? Y'a pas un truc que je vois là à gauche là dans l'eau? C'est de la merde aussi. Ah c'est un coffre de capitaine. De la merde. Genre. Mauvais genre. C'est quoi ce capitaine à 2€ qui choisit son loot? Du loot, c'est du loot, monsieur. Ah, en sloop, je te dis pas, hein. En sloop, c'est une petite fusée, mais en galion. Ah non, c'était un squelette. Pas une pioche. Ah bah, c'était peut-être mon squelette. Je vais pas rappeler si c'était un squelette. Bon, y'a pas de crâne là? C'est grand mort? Bah, faut qu'on remplisse de bananes, hein, ça va pas du tout ça. Comment ça? C'est grand mort! On est bien en banane, non? La femme, j'ai pris le enculé! Putain, le crâne, il peut pas prendre le bord. Dans la bouche, espèce de putain! Il nous pète un plomb. Le capitaine nous pète un plomb. Oui, mais carrément, oui! Oh, quel est mon capitaine, sinon je joue de la musique! Allô? Voilà, Florent, je prends un peu de musique, qui se calme. Mais carrément. Bon, la petite voix à l'avant, on fera plaisir, Boobies. Narfang. Oui. La voilà bon. Thank you. Je suis à la BG, j'avais pas envie de descendre plus sur la voie. NP, pas de problème. Tu veux la voie intermédiaire, vas-y. C'est mon cadeau. Non, espèce de. C'est mon cadeau. Range-la de suite. Tu vois plus rien. Non, mais vraiment, range-la de suite. Hein. Tu vois plus rien, c'est pour ça, hein. T'es perturbé. Hein. Ah, bah déjà, mais même, tu te rends pas compte que cette île est chiante. Demi-vol ou je te la range intégralement? Entièrement, t'inquiète. Ok. On a le temps, on est big, on est sur l'eau, on est bien. Toi qui vois. Il est où le crâne? Le crâne. Tu t'es fait niquer ton crâne, cherche pas. Non, tu peux même. Croquette Mast, je crois qu'il y a un trône. Tu peux même ranger la voile avant si tu veux. Je suis occupé, je regarde s'il y a un trône. Parce que vous n'avez pas non, les trônes. Là, genre. Par contre, tout ça, je peux Bobbies pas descend. Boobies. Oh. Croquet Mast. Ah, vous pouvez faire le trône sous la mer. Important ancré, Boobies, surtout. On pourrait faire le trône sous la mer. Ouais. Croquet Mast. Il y a pas de trône ici. Vas-y. J'entends une merde sous l'eau. J'entends ouais, elle est vers là. Ah non mais quand on joue en galion, il faut jouer hein. Il faut pas regarder les sièges et faire je sais pas quoi. Hein. Rubis. Oh, c'est malade, pour hein. Vous dépanner les filles. Moi, je suis toujours toujours comme ça moi. On s'en fout, y'a personne à cette heure-ci. On cogne le navire, on fout une planche, c'est pas grave. C'est pas le drama. Par contre, si je vous... rouge hein. Y'a une rouge hein. Si je vous fais rater... Et oui, là où je suis. Là où je suis. Sur ma position. Ouais, oui. La tarif, la salope. Là, il y a des fumées.
aussi. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient m'aider, je vais crever ici. Vous savez que vous pouvez taper sans prendre des dégâts ou pas? Comment? Bah comment? Bah tu te mets à bonne distance, quand t'avances, tu c'est bon, je suis derrière, je prends plus de dégâts. Ah si, je prends encore des dégâts à cause de, du manque d'oxygène. Mais bon. Ça oui, après, c'était différent. C'est un autre problème, hein, mais sinon vous prenez pas de dégâts, oui. Ouais, sinon capitaine, foutre ton cul à l'eau, ça te dérangerait. Quoi? Pardon? Je suis sur l'île, à l'eau? Oui, ah, j'ai pas le requin. Justement, t'es sur l'île, t'es pas à l'eau. Sur l'île, à l'eau, tout ça, c'était drôle. Putain, je fais la buter, c'est un requin qui me bute. Foiré de requin. Qu'est-ce qu'il foutait là? Il pouvait pas péter la statue, ce con. C'est quoi ça? Retrouver ici à cause d'autres pirates me fatigue. Ah oui, ça, tu peux couler ton navire si tu te fais tuer. Tu vois comme quoi c'est un vrai problème sur ce jeu, s'ils ont rajouté ça. Franchement, la première update de ce jeu, c'est d'avoir rajouté l'option de couler ton navire si tu te fais si tu te faisais tuer en boucle. C'est quand même qu'il y a un gros problème dans le jeu. Mais bon. On dira rien. Bon, ça tape nous. Ouais. Moi, j'attends Barba. Mais allez-y. Mais non, ça fait là. Quand vous commencez à faire les coffres, à deux vous pouvez y arriver, vous allez voir. Y en a un qui... En fait, il y en a un qui vous restez à deux en hauteur, au-dessus de l'eau. Il y en a un qui descend, commence à la taper, l'autre il attend un tout petit peu, l'autre il tape sans prendre de dégâts. Le deuxième il descend, il fait pareil, il tape sans prendre de dégâts. Le premier qui est descendu, dès qu'il entend qu'il a plus d'air, il remonte direct. Mais on a requin sur nous en fait, c'est ça que t'es... C'est ça ouais, que t'as oublié de prendre en compte. Voilà, c'est un carré de requin qui est en train de nous tabasser le fion. C'est dans ta tête. Je suis midlife. Faut tuer le requin. Ok, faut tuer le requin. Et vous êtes c'est bon, tu l'as tué. Ok, nice. Vous êtes fort, vous êtes déjà fort. Putain, j'avais pas de banane sur moi, bien sûr. Sinon, ça aurait été trop beau. Je prends de l'air. Ouais. Tu sais quoi, on va reprendre de l'air tous les deux. Parce que je prends pas de dégâts. Hop. Hop, j'ai un peu de terre, j'arrive. L'autre, il nous casse les doigts pour déterrer des coffres aussi nuls. Bah c'est vos quêtes qui sont nulles. Moi je pense qu'on le rembourse, on se fait rembourser ce mec. Mais c'est une bouteille, hein, c'est pas de notre faute. J'avoue, c'est pas de notre faute. Allez, elle va exploser cette merde. Allez, explose merde. Elle va exploser couille ou merde. Remonte. Non, si je remonte, elle va se réduire. Voilà, c'est bon. Elle a explosé. Maintenant, j'étais en train de la taper. Ok, c'est bon. Je vais me choper une banane sur l'île s'il y en a, sinon tant pis. Ça va, tu t'amuses, Captain? Oh, Captain, il ramasse du loot. Oh là là. Bon, ouais. Bande 2. Bande 2. Bande de braves gens. Bande de braves gens. Extrêmement courtois. De bien urbain. L'on dira. Pourquoi ce bout d'épave là dans l'eau là, ça me perturbe. J'ai envie d'aller y jeter un oeil. Je pense que je vais aller y jeter un oeil puisque ça me perturbe. A tes souhaits. A tes souhaits, mon amour. Ah, à tes amours, mon lapin. Ah non, c'est un énorme kraken embroché par un navire. Ouais, c'est sexy quand même. Hein. And I know it. Hein. Oh, y'a un coffre là qui traîne. Après, faut remonter. Sur le caillou. Sur un caillou, y'a un coffre. Ah, c'était un requin. Vous ferez attention, notre ami le requin est revenu. Celui que j'appelle dans le milieu Pitbull. C'est un Easter Eggs par rapport à une autre série comme d'habitude gaming à venir. Mettez un pouce bleu. Il n'y a plus personne à ce stade de la vidéo, mais mettez un pouce bleu. Ah, on commence à arriver dans les vrais coffres. Mais putain, mais c'est trop galère d'ailleurs de tirer des vrais coffres en fait. Si tu les tires pas sur les événements de crâne, les événements de forteresse, en fait tu tires jamais de vrais coffres. Hein. Genre moi qui ai jamais fait de l'événement de forteresse, j'ai trouvé qu'un seul coffre qui était un coffre de sale pleureur là.
de chialeur. Oh ouais, non mais y'a mieux, y'a largement mieux quoi. Je suis d'accord, mais j'ai trouvé que ça quoi. Je veux dire, si tu fais pas les forteresses, t'as pas de coffre quoi. T'as pas de gros coffre non. Ouais, c'est ça, tu trouves que du capitaine au mieux, et encore ça pue de la gueule quoi. Y'a certains coffres de capitaine. Y'a le gros crâne et le gros coffre sur les îles. Le gros crâne ? Et les deux. Ouais, y'a un crâne encore qui est. Il y a un coffre unique aux forteresses et un coffre et un oui, un le coffre avec unique. La moelle, enfin la l'épine dorsale d'un monstre dessus quoi. Ouais, bah il y a la et celle-là ouais. Il y a encore le coffre aussi qui est meilleur. Il y a le pareil, coffre du bourré, du mec alcoolisé. C'est le coffre, comment il s'appelle le coffre? Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus. Tel crâne aussi spécial de. Du capitaine de la forteresse avec un bandeau sur l'œil ou genre tiens, quelqu'un peut venir ici, je vais lâcher le truc pour qu'il tombe là. Et il y a un ponton là en fait Des soucis de squelette moi. Quelqu'un est au bateau ou pas? Oui, je suis au bateau. Est-ce que tu me vois? Attends. T'es où? T'es dans l'eau là non? Ouais, je suis dans l'eau. Regarde, je mets ma lumière, attends. Oui, je te vois, je te vois. Je vois ton blaze. Regarde, bah viens, juste en dessous de moi. J'arrive. C'est bon, normalement il est en bas. Je suis en dessous de la passerelle. Bah en bas, tu vas trouver un bas. Ok, trouvé. Ah. Une, hein. Enfin, j'aurais plus. Je sais pas, j'aurais plus dit là. Ouais, ça va plus là ou ouais. Par contre, c'est cool 6 coffres, mais c'est 6 coffres de merde. Hein. Là, tu crois? Je sais pas, c'est bizarre. C'est... Si, c'est là, ouais. Bien. Vous avez croisé des squelettes. Ok, je cherche le dernier. Et l'autre côté. Faut remonter par contre. Faut monter par l'autre côté en plus. Non, faut monter par là. Non. Par là où t'étais quoi. Ah, j'entends un kraken. Faudra faire attention, on va avoir droit à un kraken. Ça veut rien dire. Si, c'est le kraken ça. Oh, ouais, généralement quand j'entends un kraken, c'est qu'on y a droit. Ambiance. Pour l'instant, il est derrière nous, mais. Généralement quand j'entends un kraken, faire attention aux manifs. D'ailleurs, je trouve ça tellement dégueulasse que quand tu tues le kraken, tu gagnes pas un coffre de kraken ou un truc comme ça. C'est là quelque part, non? J'ai l'impression que c'est là. Oula, on dégueule de stuff. Moi, c'est encore plus haut. Mieux. Tu peux encore monter là? Ah, je sais pas, je regarde. Non, je pense que c'est là. T'as eu ça ce squelette? T'es où? Ah, c'est quand même vers là, non? Je sais pas. Peut-être là-dedans. Ah là, attends. Ah oui, ok, attends. Là, on est monté. Traverser la petite grotte, non c'est après. C'est là non? C'est là. Putain.
tellement de barils de poudre sur cette île. Ah, vous avez des petits barils. J'arrive. J'en remets. Ah, si tu peux me lécher depuis la passerelle. Oh. Oula, j'en mords. C'est de quoi ça? C'était un méchant qui s'est suicidé. Ah. J'ai posé le baril au bord de l'eau. Je vais chercher. Allez, on va chercher le dernier coup. Bon, on va se taper un kraken. Mais non. Si, je l'entends encore. Vous m'entendez tout le temps, vous avez jamais remarqué, même quand vous êtes en scoop. Si. Quand je suis en sloop, j'en ai rien à foutre. Parce que le sloop, ça n'intéresse pas le kraken, les sloops. Non, ça c'est pas vrai. Si, si. Ah, si, 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 c'est très vrai. Tu ne risques rien quand t'es en sloop. À moins que tu ailles dans une zone qui est. Qui intéresse. Qui est déjà attaquée. Tu peux monter encore plus haut en fait. On peut encore monter plus haut. Je pense que je l'ai là. Enfin, peut-être dans la zone où je suis. Tout en haut. Peut-être pile poil là. Ouais, c'est ça. Comment t'as fait pour monter le haut? Ça m'intéresse de savoir. Ah oui, ok, ouais, je vois. Je vois où t'es. Comment t'as fait pour monter là-haut? J'ai fait tout le tour en fait. Tu montes par là où on est passé, tu continues. En fait, ça redescend, mais après, ça remonte. D'accord. À l'horizon. Pas de crâne, pas de bateau. Je savais bien que j'en trouve rien. Allez, je saute. Ça va. Sur un crâne, on le fait ici en plus. Bah là, il y a tellement de personnes, mec. Si on le serve, ça veut rien dire. C'est ouf. Ça serait le moment. Bon. Il nous reste Sucken Grove. Full Nord. On s'en est acheté, on se fera le taf. Full Nord. On va ranger les voiles parce que là, si tu les blanques maintenant, ça va être la merde. Là, les nuages se sont bien dégagés au-dessus là. Aucun d'entre vous ne va à l'avant du navire, ok? On dit qu'on fait ça. T'es pas le talabar, moi? Ne va pas à l'avant du navire, je t'ai dit. Non, je regarde, c'était moi. Ou alors à l'avant du navire en jouant de la musique. Ouais, vous faites ce que vous voulez. C'est
c'est juste un conseil de la maison. Faut donner à droite. À tribord toute. On a un caillou droit devant. C'est esquivé, tu peux redresser. Je suis par là qu'on va sortir pas de voir. Tu sers peut-être un petit peu trop. Okay. Non, ça passe. Pourquoi ? Du coup, je sors sur la bonne de temps. Toujours pas de crâne. Putain, c'est juste parce qu'on est tout seul sur le serveur, ça. À l'avant. C'est légèrement sur la gauche, moi. C'est plein nord. Hein. Ah mais j'ai... C'est entre les cailloux là, on est d'accord. Tout droit, tout droit. Là, tout droit, tout droit. Vraiment, vraiment tout droit là. Je sens qu'il y a des gars qui vont me dire. Ouais, la voile du vieux, là, je la hausse. Ouais. Tu veux la voile du milieu? Je te la monte un peu, pour que tu ailles. Un peu, si tu peux. Tranquille, Widou. C'est ce qu'il y a devant nous, d'accord ou pas? Oui. J'attends, ça. C'est ce que t'as dit, Boogie, souviens-moi. Oui, calme-nous. J'attends tellement le crâne que j'ai l'impression de le voir partout. Le mec qui vient de parano. Il y est tout à l'heure et qu'on ne voit pas. On peut ranger la voile avant, je pense qu'on va arriver grave vite. Même trop vite. Pas prêt à vous rentrer peut-être en fait. Pas prêt à vous rentrer, ça peut pas mal. T'es que quelqu'un à côté de l'ancre là. Non. Allez, maintenant. Attends. Rattrape là. Vas-y. Elle tourne. Ah le bâtard, c'est bon. On est sur quelle île? C'est Kangro. Santé. Merci.
C'est moi, je vois clignoter vert là-bas. Attends. Oui, mais attends. Là-bas, direction sud. C'est vert, non, dans les nuages? Oui, mais mec. Où? Au sud, putain, prends ta boussole, bordel. Mais non, mais je le vois pas, moi. Même en regardant sud. Tu vois pas des trucs verts? De toute façon, je cherche pas pour l'instant, y'a pas de crâne. Je monte. S'il y a un crâne, on trouve au jus. Ça se verra. À travers toute la map. Non, des fois ils sont bien planqués, hein, vraiment, des fois tu les vois pas. Exactement, et les nuages ils passent tout le temps devant, tout le temps, tout le temps. T'es sérieux? Ouais, des fois tu les vois pas. Ouais. J'ai jamais raté un œil. Jamais. Et pourtant j'en ai jamais fait un. Non, mais des fois tu les vois pas à cause des nuages. Vraiment, ils sont cachés derrière. Je sais pas, tempête verte là. Oula. Là, oulala, oulala. Bon, merci, coup, la base. Ici, il y a rien. Ah oui, c'est. Y a une. Au bosquet, ouais, ouais, bah, j'y suis. Et ensuite, c'est quoi? Le coffre se trouve près des monstrueuses dents sous les palmiers au sud-est. Les points de hâte creusés à 7 pas au nord-ouest que l'or miroite. Monstrueuses dents. Sous les palmiers. J'espère que ça vous aide énormément. Monstrueuse dent. Ça doit être ça. C'est une dent, ça. C'est une dent. Oh putain, en tout cas, il y a des. En tout cas, j'entends une statue. Faudrait que je remonte pour vous donner ça. J'entends une sirène, une statuette de sirène. On vient dire que c'est une dent. On va dire. Bleu, je l'ai. C'est bon. Dommage que pas un crâne là, qui manque son nez, je suis resté sur quoi le bateau pour. Ah, une autre bleue. Excusez-moi, je refais une autre statuette de saphir. C'est réglé. Deux statuettes de réglé. Il y a un truc qui est quoi, c'est dedans, là. Où j'ai rêvé. Quelle dent?
une statue émeraude sur ma position. Statue émeraude sur ma position, si quelqu'un veut bien me rejoindre. Il se fait n'importe quoi aussi. Peut-être que tu peux faire ça maintenant. Ouais, je t'ai dit, tu peux le déclencher dans tes mains, c'est pour ça que maintenant tu peux prendre un bidon, le rocher, et rocher direct dans le bateau, et t'appuies sur clic gauche, et ça le déclenche. T'as même plus besoin maintenant, tu claques contre une coque de navire. Qui ça, ça a toujours été ça. Qui passe dessus et ça boum. Ouais, ça, ça a toujours été. Mais les choses. Tu pourrais faire exploser ton navire si tu rentrais dans ton bateau en passant en dessous ou quoi, que tu connais un truc, tu pourrais couler ton propre navire. Parce que j'ai l'impression que l'explosion elle est ouf maintenant. Ouais. C'est un effet en fait de blast en plus. Ouais, je trouve pas la avant je croyais que ça avait moins de portée et peut-être moins de puissance un baril maintenant. La dernière fois j'en ai claqué un contre un bateau, je suis mort, le temps que je revienne, c'est bon, il était coulé. C'est ça les dents là. Et il est sur la plage les dents. J'arrive. Rejoignez-moi, plage. Plage nord-ouest, prenez votre boussole, plage nord-ouest, merci. Et le truc, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, je croise où? Nord-ouest. Pas y arriver. Non, ça peut pas être nord-ouest. Ah non, c'est peut-être pas ça les dents. C'était combien de pas? Ça dépend, c'était combien de pas. 7 pas? Ah non, c'est impossible, c'est pas ça. C'est à cause de Mallory, tout ça. Il nous fait une crise de jalousie, ça y est. Non, ça peut pas être là. Non, ça peut pas être là. Je montre mon mécontentement. Peut-être que tu m'as abandonné. Bon. Je vais péter un autre serpent pour l'instant. J'en avais vu un doré. Yeah, je la recule. Super. Moi aussi je te vois, je fais de la lumière. Espèce de con. Espèce de con. Le bateau. Non, reviens. Reviens, le bateau. Je te rappelle que notre bateau n'a pas d'encre. Quoi? Non, rien, t'inquiète, il y a une tempête sur l'île. Mais on prend l'eau comme des gros bâtards. Attends, c'est parce que je nageais. Non, on prend l'eau, je crois. Oh. Attends, vous faites une blague, là. Non, tout va bien, tout va bien. Putain, les serpents, ils tiennent tranquilles, maintenant, dans l'eau. Pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Écope, Boobies arrive à bord. Non. Ah, pas du tout. C'est con. Et il a fait un sacré move le bateau. Quoi, c'est l'orage qui nous a vu comme ça? Ouais, je crois. Ouais. Ah, le serpent. Oui, évitez de vous amener à l'avant. J'en ai mis deux maintenant. Parce que les serpents, c'est bien connu, ça va mieux par paire. Ah, c'est parce qu'il y a un petit trou à l'avant en fait. Personne l'a jamais colmaté. C'est mieux. Hein? Non. Casse-toi. Viens là. Qu'est-ce qu'ils font comme conneries? Viens, dépêche-toi. Qu'est-ce que vous faites comme conneries? Sors de ce bateau. Vous savez que j'ai vu une statue émeraude qu'on pourrait péter, au fait, les enfants, tout ça, tout ça. Oh oui, t'inquiète. Ouais, yes. Je m'inquiète, ouais.
t'ai eu. Yes! 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 You! Je vous ai réglé le canon de gauche pour directement me rejoindre si vous voulez. C'est débile, putain, c'est trop bien ce truc par contre. Ça fout un bordel dans les bateaux après. C'est pété. Ah, je me fais piquer par le serpent dès que j'arrive. Bah, bien fait pour ta gueule. Bon, vous me rejoignez canon de gauche. On pète la statue numéro dès qu'on passe à la suite. SVP. Ils sont mariés. Au lieu de vous courir après avec les barils explosifs, bande de couillons. Je vous ai même pas vu, je suis sûr que c'est ça. T'es où? Canon de gauche. Non, le pas toi. L'autre. Boobies. Boobies, t'es où? Faites pas m'amuser avec les barils. Mais arrêtez de faire m'amuser avec les barils. Oh. Les mecs, je suis dans l'eau, il y a un requin qui va pop, ça me fait chier. Bougez vos boules. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Bougez vos boules. Descends de cette voile. Lâche-toi. Laisse-moi tranquille. Parfum que Billy quelque chose. Oh. Mais ramenez-vous, arrêtez de faire les cons. Oh. Vous avez fait sauter un baril à bord du navire. Putain, je vous déteste. Oh, me dis pas que t'es mort. Oh. Bien sûr que vous êtes morts tous les deux. Et le navire. Oh, mais t'es une merde. T'es une merde. T'es une merde. T'es une merde. Et si on couche, je te jure. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que ça, ça commence à être fatigué. Oh, ouais, 58 barils, j'en peux plus. Vite, vite. Alors, il a pris tellement cher le bateau, à mon avis. Oh. Il est posé sur le ponton, c'est ça? Non, non, j'ai monté l'échelle. En fait, tu peux carrément l'exploser pendant que tu montes l'échelle. Ça va. Oh, vous êtes sérieux. Putain, les mecs, ils jouent avec le pognon, quoi. Ça fait des. Ça fait des petites explosions. Oh, putain. Bon, tu t'occupes du bateau. Là, il n'y en a plus. Faut qu'on trouve ce dernier coffre là. Bon, vous me rejoignez déjà dans l'eau, histoire qu'on se fasse le. T'es où? Tu prends le premier canon de gauche à partir du. À partir du poste du. De pilotage. Tu tires à gauche, tu vas arriver sur une petite île qui est juste à côté de la grosse île. Et tu vas me voir, je suis dans l'eau. Et je vous attends pour péter la statue verte. Depuis 5 minutes. Oui, chef. Chef, oui, chef. Ah, tu me vois, je suis dans l'eau. Barbare, arrête de te barrer. Il n'est pas de. Ah, si, c'est bon, j'ai. Barbare, arrête de te barrer. Viens, les... Calme-toi, Jérôme Pinault, calme-toi. Calme-toi aussi, Kevin Pinard, là, au lieu de jouer avec mon fric. Salaud. Je devrais te foutre au fer, là. Ordure. Avec plaisir. Ah, putain, maintenant, il y a un requin. Calme-toi, le requin. Oh, voilà. C'est bon, il est calmé, lui. Là, ça me plus qu'à vous calmer, vous deux. En deux gosses. Bon. Boobie, c'était où, putain? Mais je... S'il te plaît, je suis en train de chercher le trésor, là. On s'en fout. Mais putain, bon, bon, vas-y, on plonge, on va casser cette statue à deux. Bah, deux. Vous le faites à deux, arrêtez. Mais carrément, mais c'est lui, il est stressé quand il joue, je sais pas. Je suis assis au Steve's. C'est un malade mental du coup. Non, c'est juste que je me dis qu'il y a une VOD qui tourne et que ça fait 5 minutes que je suis planté dans l'eau, quoi. Comme un blaireau pendant que vous faites sauter des barils sur le pont. C'est dans la tête. Mais bon, on l'a eu. On y aurait des millions et que tu bon encore. Mais même pas, tu vois. Non, même pas. On s'en fout, c'est le même respect. Ouais, c'est... À 3 vues ou à 15 vues, c'est le même respect. Ouais, non, mais c'est pas ça que je dis, je parle pas de respect. Je te respecte. Non, c'est pas pour moi, je dire n'importe quoi. Non, mais moi, je m'en fous, on s'éclate, tout ça, c'est pas le problème. Pas le souci.
m'abandonner, soit vous me dites attendez, on se règle à l'ancienne. Vous ne faites pas pour ôter 15 minutes dans la flotte, quoi. Enfin, 5 minutes dans la flotte. C'est débile, hein. Moi, je suis absolument. Oh, putain. Oh, le mec. Le mec, oh, bon, c'est la faute de l'autre. C'est pas moi, c'est lui. J'ai non, pas de bite, me demandez pas. C'est celui à qui il dit qu'il est. C'est ça. Bise est beaucoup plus puissant qu'une vidéo YouTube. Tu vois. Un amour. Oui. Ça, les dents. Je sais pas. Parce que vu l'amour que lui porte, lui porte Mashkit. On n'est pas au sud-est. Mashkit, Mashkit, il est où Mashkit Boobies? Il a parlé. Il est où le Mashkit Boobies? Eh Boobies, il est où le Mashkit? Eh Boobies, il est où le Mashkit? Regarde comment il a Sum 41. Il s'est fait. Il est là, creusé. Il est là. Il s'est fait trahir par son frère. Il est là. Faut creuser, il est là, Mashkit. Il est là, Mashkit. On va trouver. La tribu Mashkit s'ouvre. Tu vas regarder ou vous allez m'aider ou... Oh le capitaine, ouais, il... Foutre, moi, capitaine il regarde, moi je tiens la lanterne. Ah bah moi j'ai creusé à côté. Bah tout le monde s'est barré. C'était bien. Des bisous YouTube. Et Valetti! Oh putain! Bande de connards. Vous êtes tous des métrosexuels. C'est-à-dire que vous avez tous du sexe dans les métros. Oui, Boobies, il aime le sexe dans les métros. Boobies. Boobies, il aime le sexe n'importe où avec n'importe qui. Boobies. Sauf Mashkit. Boobies. 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 Oh, Boobies. 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 Comment ça lever l'encre Je vois ça maintenant. Ah bah... Boobies. You Boobies. Un peu plus s'il vous plaît. Boobies. J'ai pas envie de monter sur ce bateau. You. Ouais, c'est là. Y'a pas de soucis, regarde moi aussi, je reste là. Boobies, you! Boobies! Yeah. Boobies? Boobies? Non. J'en ai trop marre avant poste. J'en ai trop marre. Avant poste, le premier qui. Là où il est. C'est où le premier avant-poste? Je sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Avant-poste, c'est derrière. Hop. Tac, tac, bim. A tout fait? Paf, paf. On a tout fait. Le bateau va tourner tout doucement, laisser faire, gentiment. Tout bien se passer. Je tiens la barre, quand vous gérez. C'est l'origami. Boobies.
Arrêtez. Les gamins. Regardez-les se poursuivre comme des enfants. C'est pas possible. Je suis fatigué. Il est 3h du mat, au moins. Quelle heure est-il? Aïe. 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 Putain, il est 4h du mat. Oh, j'ai mal. Je vous déteste. Oh, j'ai mal. Je vous ai toujours détesté. Laissez-moi. Et je vous détesterai toujours. Boobies, 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 boobies. Ah. Boobies? Boobies. Alors, attention, il faut rentrer la vol du milieu, sinon on va se manger l'île. Moi, je t'aide pas, tu te débrouilles, tu m'as tué. Boobies, 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 je t'aime, boobies, 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 boobies. Sinon, il y a une strat consiste à littéralement échouer ce galion comme une grosse baleine sur la plage. Ce qui va faire littéralement que les stuff qu'il y a dessus vont couler sur la plage. Là, tu lâches l'ancre quand t'entends que le bateau il commence à faire crack. D'accord, okay. Boobies ? Ça marche. Belle voile, mon galion. Attends, c'est pas du bon côté de l'île, là, je crois. Ah non, c'est pas ça. Allô. La loi du plus gros, mon pote. T'es des mots, on m'a dit crash dans le tuyau. Crash dans le tuyau. Ah. Ah, mérissage. Tu sers trop à droite là. Ah, mérissage. Je crois que tu as dit que c'était le moment où il fallait jeter l'encre. Parfait. Là, on peut commencer avant. Après, le bateau va faire ses petits. Faut juste regarder où il finit quoi. Ah, oh, même vendre, c'est chiant en fait. Oh, le mec, tout le fatigue dans le jeu, sauf tuer les autres. C'est Boobies, c'est pas les autres. Toi tu fais pas. Il va me cracher à la gueule en plus, le con. Ah voilà, il m'a craché à la gueule. De pute. Tu parles de Mashkit ou du serpent? Mashkit. Mashkit, il est où Mashkit? Mashkit. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le génie de la lampe, épisode précédent. Je veux Mashkit. Mettez un pouce bleu. Mashkit. Ah, non mais faut que j'arrête de demander des pouces bleus, mais moi j'y crois pas. Ça va se voir. Faut y croire. Hein. C'est... LOL. Mais ça va quoi. C'est Mashkit. Voilà. Mashkit, Mashkit, des papouilles, Mashkit. Je veux des papouilles de Mashkit et de Boobies. Y'a toi, j'en peux plus de toi. Je veux des papouilles, des papouilles. Des papouilles. Boobies. Pourquoi je fais ça là? Boobies, ça y est, je suis 31. T'es combien le collecteur d'or? Boobies. Joli crâne. Ouais. Je suis 30. Je suis 30, 31 et 23. Des papouilles. T'es pas plus haut que moi, tu m'as rattrapé du tout. Bah, tu m'as rattrapé au même niveau. Des papouilles. Moi je t'aime. Ah ouais? Ok. Tout ça parce que monsieur a dormi avec Mallory plutôt que de jouer avec moi à Rocket League et de passer platine, super. C'est toi qui dis ça? On s'en fout, ça rapporte rien. Avec sa meuf plutôt que de passer platine sur Rocket League. Waouh! C'est normal, je suis la diamant 3 moi. Super. Oh, quelle ambiance en plus, ça clash. Super. T'as pas de papouille. Ok, super. Bah, attention, je vais envoyer un message à Mallory, je vais lui dire ce qu'est pas de boobies. Moi je le réserve. Si je viens chez toi, je viens chez vous, je vous tue. Comme les malades dans le nord. T'habites dans le nord, ça marche. C'est vrai. Mon dieu, ma bataille de. Nénéné, finissez-le carrément. À la machette. Carrément, oui. Les papouilles. Bonjour. On était pas sans avoir plein de barils à vendre aussi. Je vous laisse l'arme, monsieur. Il me semble qu'on avait plein de barils à vendre. Ouais, mais tu les as tous jetés aussi. Oh putain, je vais enculer.
mec il dit qu'on a plus de barils alors qu'il a tout jeté, c'est super. Je vais te tuer. J'en ai utilisé qu'un pour essayer de te tuer à la fin alors que c'est toi qui a commencé au début. Ouais, donc vous avez détruit deux barils quoi. 6 ou 7 mec, t'es malade, j'en avais plein. Non, vous déconnez. Si. Ah non, si. Non, vous avez pas détruit 6 ou 7 barils. Il y en avait pas 6 ou 7 à bord. Wallah. Et quand je dis wallah, c'est que c'est vrai. Et donc c'est faux. Ok. Il y en avait au moins 2 sur la vigie et 4 dans le... Bah c'est ça, 6. Dans le... Et vous avez détruit tous les barils. C'est une blague. Ouais, Boobies, c'est pour ça qu'il peut les compter. C'est une blague. C'est une blague. Vous m'avez pas enculé un niveau de marchand. Un niveau de marchand? Oui. Avec des barils? Oui, mec. Un baril, ça vaut 150 balles. Oh là là, c'est grave. C'est un niveau de marchand, ouais. Ah, je suis désolé, hein, je suis pas level 30. Hein. Bon non plus. Je suis level 23. Donc, ouais, cette baril, non, c'est pas un niveau de marchand, c'est un demi-niveau de marchand. Cette baril. Putain, vous avez enculé cette baril. Ah, bon, et donc, cette fois, 150 balles au passage. Hein. Donc, 1000 balles. Tu déconnes. 1000 balles. Vous êtes enculé, oiseau. Ah, vous êtes sérieux, les mecs. 7 fois 50, par contre, ça fait 350 balles. 7 fois 150. 150 ? 7 fois 150. Merde. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec... Si tu veux l'exact du compte, tu me dis, je te le fais. Hein. Y a pas de souci. Pas de souci. Ça fait 1050 dollars. Si tu veux tout savoir. Carrément. Ouais. Carrément. Ah, mais ça fait chier. C'est con. J'ai décédé dans mon lit. Surtout après, qu'après, ça m'oblige à faire des quêtes de marchands. J'ai pas envie de faire des quêtes de marchands. Donc je compense le level avec les barils. Tu voilà. Feras des belles papouilles ce soir, Boobies, dans tes rêves. Oh non, voilà, que dans tes rêves, hein, mon gars. Feras des belles papouilles. Tout ce qu'on avait c'était de la merde. Par contre, ouais, sauf que là tu vois, j'ai un level 24 3 quarts là. Donc en fait, vous m'avez enculé mon level 25. Comme, avec vos conneries. Ah, putain, surtout que moi je pensais que vous aviez joué avec un baril ou deux. Putain, les 7 barils. Ah, c'est Boobies. Hein, les 7 barils. Je te dis, je l'ai pris. Mais ferme-la, Barba, t'es aussi coupable. Et Boobies à la fin, il a tout pris quoi. Et vous êtes aussi coupable l'un que l'autre, c'est chiant. Quoi ? Et après, c'est moi qui ai passé pour un reloman, vous m'avez enculé un demi-level. J'avoue qu'à la base. Fatigué de fatigance pas... à 4h du matin, vous pouvez pas savoir. Non, mais à la base, c'est quand même Tarfan qui a cherché la merde. Pardon ? Non, d'accord, Boobies, non, mais d'accord. Au bout d'un moment, faut rétablir les choses comme elles sont quand même. Faut arrêter de tourner autour du pot. Ouais. Parce qu'en vrai, tu dis ça, genre, c'est pour faire ton épisode YouTube, genre, waouh, regardez, ils m'ont fait du mal dans mon petit cœur. Alors que pas du tout, nous, avec Boobies, on était là, on rangeait le bateau. D'un coup, il y a un baril qui a explosé, t'as pensé qu'on voulait exploser et t'as commencé à faire exploser tous les barils. Bon, bah, c'est pas notre faute. Je suis un peu d'accord avec toi, ouais. Merci, Boobies, putain. Mais ça, votre grand-mère t'aime. Vous a marché dessus avec son fauteuil roulant ou. Ou avec sa canne, ça se passe comment? Je sais pas. Et en plus, il est vulgaire. Ouais, manque un peu que ça. Super. J'avoue ça, l'ambiance. C'est YouTuber, hein. Ouais, Twitch c'est tellement mieux. Bien. Voilà. Ouais, l'ambiance. Allez vous abonner chez Squeezie. C'est vraiment vachement important. J'ai déjà fait. Tu dis que moi je suis insupportable. C'est le connard. Regarde-toi là. Regarde-toi avec ton crâne là. Ouais, c'est ça. T'es pas beau, Boobies, t'es pas beau. J'en fais plus de toi, putain. De toute façon, quand tu reviens. Putain, mais la répute, c'est n'importe quoi. Ça monte trop doucement, attends, gros. Bah, oui. Un milliard de trucs et. C'est ouais, mais pas un milliard de bons loot. Mais comme ils s'abusent. Ah, en fait, on a et fait puis, exploser. Puis on a pas oublié, voilà, c'est ça, vous avez fait exploser un mid-level quoi. C'est des barils quoi. Enfin, pour les level 30, parce que toi t'es level 30, Boobies, ça te fait. Non, même pas, t'es level 25, ça te fait un bon quart, un tiers de level. C'est quoi. Lui qui a fait tout exploser quoi. Super. Wow. La grosse mentalité quoi. La grosse mentalité quoi. Waouh. Oh, les cakes aux olives, hein. On s'en rappellera. Hein. Et ils sont aux olives vertes en plus, hein. Alors ça donne quoi le solde de tout compte? Le TTC. Le TTC.
Toute taxe comprise. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? T'as des chats qui se violent chez toi ou quoi, là? Qu'est-ce qu'il se passe, là? Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, putain? Il va aller crash le navire sur la côte. Parce que c'est un enfant. Bobby. Après, on peut le faire chier, hein. Tout est possible, tout est réalisable. T'arrives, tu fais ça, tu fais non. Boobies. Et ouais, là, en fait, il a l'air con. Boobies. Destruction, boobies. Annihilation de toute vie, boobies. Putain, j'en peux plus. Non, mais alors. Rien faire, hein. Hop. Rien faire non plus. Ah ouais, genre. Bah alors. Bah alors. Bon bah voilà. Destruction. Annihilation de toute vie. Mort sur la terre. Pleine voile, capitaine. Faut gérer la barre. Mettre la barre à gauche. Ils sont tellement fatigués. Pleine voile, capitaine. Barre à gauche. Vite. Ça passe, capitaine, ça passe. Hop, bah, ça passe 15 fois. Ça veut pas monter. Je suis fatigué. Ça veut pas monter. Boobies. Boobies. Alerte. Boobies. Boobies. Boobies, j'ai peur. Boobies. Le dodo boobies. Oh les gamins. Les gamins. Genre une alarme quoi. Boobies. 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 Attends, est-ce que ça marche? Faire ça? Ah oui. Boobies. Il est où, Boobies? Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Boobies. Il est là, Boobies. Boobies. Des bisous, Boobies, des papouilles pour Boobies. Et le bateau il coule là, on est d'accord, hein. Le quoi? Le bateau il coule là, on est d'accord. Mais pas du tout. Ah. Hey Boobies, tu fais mon équipage. J'arrive. Tu fais sur Barbachaume. Et tu fais voter maître offert, tu fais oui, s'il te plaît. Boobies. Il mérite que ça, mec. Youhou. Il nous a cassé toutes les doigts tout le long pour ces petites voies, le petit chemin, machin. Cool de la vie. Boobies. Vote pour le maître offert. Vote pour le maître offert. Boobies. Allez, vas-y, t'en meurs d'envie. Boobies. You! Hello! Boobies, boobies, boobies. Ah, il a pas encore pas boobies. Bah, t'es où, Barba? Bonjour, Barba. Boobies, 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 boobies. Il est où, mon boobies? Boobies. Non mais moi j'aime Boobies. Oui d'accord. Ça, pas tout fait. Mais est-ce que ça t'empêche de dire au revoir YouTube? Au revoir. Au revoir. La fatigue. Bonjour. Ah, et, oui. Ah, ils sont au bout de leur vie les enfants. Boobies. Un petit au revoir pour YouTube. Bonjour. Boobies, il aime les papouilles. Boobies. D'accord. On est marre. Ah, ils deviennent TER sexuels.
métro sexuel, tout ça, RER sexuel aussi, hein, et TGV sexuel aussi, bien sûr. Évidemment. Sur ce, des bisous. À la prochaine. Bisous. Ciao.